Bonjour, alors aujourd'hui je n'ai rien filmé de la matinée et du midi et de l'après-midi puisqu'il est 15h40 et en fait je n'ai pas filmé parce que j'avais un rendez-vous très important professionnel et là on repart toutes les deux en rendez-vous professionnel et c'est le genre de choses qu'on ne peut pas filmer parce que c'est confidentiel, voilà. Mais on filmera ce soir parce que ce soir normalement on voit Desindro, enfin Audrey, Chéra, Chouli et tout et du coup ça on pourra vous filmer, ça sera pas mal. Donc j'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours là dans la vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Donc là on est sorti de notre rendez-vous professionnel qui s'est très bien passé et du coup là on rentre et ce soir on ira au restaurant pour voir des produits, voilà, et voilà, donc je vais vous montrer un peu Paris et tout, et puis voilà. Comme d'hab. Et moi j'ai pris des pancakes au chocolat et un cappuccino et Léa elle a pris un scone. Un scone smirti et un chai tea latte. J'ai retrouvé un soldat un peu étrange. Starbucks, je n'ai pas compris. J'ai peur. Ça va bien les gars? Moi ça va. Non mais là je reprends le blague. Excusez-moi, je suis désolée, mais pour le bien de votre cerveau. T'as vu, mes yeux ils sont tout petits, rapetissent au fil des jours. Pour le bien de votre cerveau, je reprends ce blague. Parce que Aurier raconte n'importe quoi. Je rigole. Je rigolos. C'est juste parce que j'aime bien sa chaîne, j'aime bien ses abonnés, alors j'ai décidé que en fait j'allais pirater son compte et que j'allais changer d'identité. Oui madame, j'allais m'appeler Aurier. Et du coup voilà. On boit actuellement du thé glacé au citron et au miel. Voilà voilà. T'as dit que c'était un pou. Tu vas faire du pipi. Mais c'est moins bien que les lentes. Mais c'est mieux. C'est mieux que les asticots. C'est moins bien que les lentes. Mais c'est mieux que les asticots. Les poux. Il y a Chouli qui nous a rejoint. Là. Sa chaîne se rend barre d'infos. Elle fait des trop beaux nail art que moi j'arrive jamais à refaire. Sont trop beaux, donc allez voir si vous voulez pas avoir des ongles comme les miens. Voilà, let's. Je vais vous faire une rose à Léa et vous savez quoi, elle l'a défoncée. Mais pourquoi t'as défoncé ma rose? Mais non, mais on enlève les fleurs, c'est mieux. Là, je la mettre comme ça. Mais c'est dégueulasse. Mais déjà, t'as vu la gueule de la fleur? Le mec, il l'avait déjà pré-mâché. Je t'offrirai plus rien. Non, mais je l'aime d'amour. Elle se fait alors qu'il n'y a rien à m'accroter. Quoi?
Je sais pas c'est qui. Alors là, Audrey et Alex se battent pour un taxi. Nous, on va rentrer. Donc voilà, il est 1h10 du matin. Demain, on prend assez tôt. Enfin, non, pas tôt. On prend 12h30 le train. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bisous les abonnés d'Oria. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Bye bye. Hello. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour encore une nouvelle aventure, ou pas. On est samedi. On est samedi, donc j'ai rejoint Léa pour qu'on prenne un petit déj ensemble à la Brèche Dorée. Comme vous pouvez voir, je suis très fatiguée et là, on va repartir chacune chez nous, chez elle, ouais. Donc elle est là. Elle ne prend pas au raisin et un thé, moi j'ai pris un croissant, un cappuccino et un jus de fruits parce que comme on va pas manger dans le train et qu'on arrive toutes les deux vers 15h chez nous, voilà. Et du coup voilà, c'était trop bien Paris, j'ai trop adoré et franchement j'ai hâte de revenir parce que franchement c'était top et j'ai trop hâte, voilà, j'espère que je reviendrai vite. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure, je vous ferai des coucous dans le train sans parler parce que les gens me regardent tellement bizarrement quand je parle à ma caméra que voilà. Ça y est, j'ai quitté ma petite Léa, donc là je suis dans le train et on va bientôt partir et du coup voilà, je vais pas beaucoup à vlogger dans le train, mais j'ai hâte d'être de retour à ma maison. Et je vous dis à tout à l'heure. Et dire que tout ça, c'est grâce à nous. On se demande ce qu'elle ferait sans nous.